Tant pis. Le level manquant doit jouer, ouais. En vrai, si j'avais une jauge de flux supplémentaire là-dessus, je pourrais y arriver. Mais il faut que je monte... Je suis à combien de... sagesse? Il faut que je tue 130 ennemis avec sagesse encore. Alors déjà... Ce machin là. Attends, quoi? Je peux pas partir de plus haut qu'ici. À moins que... Non. Il y a 8 barres de flux dans la fusion. Là, j'en ai 7 au départ. On dirait le club des petites vieilles près de chez moi. Ah bah, il y a un petit air, ouais. Bon, ok, je peux pas l'avoir non plus. Très bien. Tirons-nous de ce monde. Il n'y a rien à en tirer. On va aller ici. On va aller ici et on va tenter un truc instantanément. Vous allez voir, je vais me faire péter la gueule. On va essayer de battre Marluxia, le boss du précédent jeu. Parce que j'ai peur de rien. Et parce qu'il est fabuleux! Je pense pas avoir le niveau. Je vous le dis. C'est juste une tentative. On a déjà vu cette scène 1000 fois. Oh le BG! On aura de rire. Ah oui, il me maudit et du coup j'ai un nombre de coups limité. Ah, j'ai pas la bonne Keyblade, j'ai pas remis ma Keyblade. C'est pas grave. Trompe la mort! Bouffe! Bon appétit, Lim! Des bisous! Merde, j'ai pas réussi. J'ai perdu le rythme, c'est terrible. Faut que j'arrive à récupérer des PV là. Yes. Et bon app Mixi également. Bon appétit à celles et ceux qui vont manger. Y'a que comme ça que je peux récupérer des PV. Donc il faut que je saute sur toutes les occasions. Et j'ai le temps de lui enchaîner deux combos au passage. Oh putain, phase 2. Oh là là, what the fuck? Back off.
peux pas fusionner, what the fuck? J'ai tenu bien plus longtemps que d'habitude, mais quand même, il lui reste beaucoup de points de vie, j'ai même pas fait la moitié du boss. Il est chiant. J'arrive à récupérer de la vie, mais je sais pas comment. Aïe, aïe, aïe. J'ai réussi à caler une fusion. Ah oui, c'est pas un boss de fin pour rien, ça c'est sûr. J'ai pas le niveau encore pour Marluxia, c'est clair et net. Je peux pas me soigner? Aïe 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 aïe, je suis allé beaucoup plus loin que d'habitude, hein. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. En fait, il faut vraiment que j'ai tous mes coups disponibles avant qu'il passe en phase 2 avec les roses au sol, là. Mais je crois que c'est tout ce que j'ai à faire, à part le bolet. Je peux essayer de faire le bolet. On va essayer de faire le bolet vite fait. Dommage, ouais. Bon leurre, Kiroaki. À plus tard. Il me semble que le bolet en question, il faut que je sois en sagesse aussi et que je sprinte derrière lui pour récupérer des orbes qu'il lâche. Et vu que la fusion la plus rapide, c'est sagesse. Parce qu'elle a le sprint niveau 3. On peut essayer. Mais pour ça, il faut que je remonte un peu ma jauge de fusion. On va teinter ça, oui. Les bruits de dingo, ils sont incroyables, effectivement. Ouais. Dingo le goat, on l'embrasse. Ouais, il y a un sans-cœur spécial, mais il est où? Je crois qu'il faut que je pète les statues à l'entrée pour qu'il apparaisse. Mais voilà, il est là-bas. Attrapez-le. Il faut que je remette ma Keyblade. Ma vraie Keyblade. Souvenir perdu.
Elle tape plus fort. Et bientôt, je pourrais faire la Keyblade ultime. Surtout. Ok, c'est bon. J'ai de quoi faire sagesse. On va foncer au bolet. J'aimerais bien en réussir au moins un de ces putains de bolets, là. C'est lourd. C'est trop dur. Ok. C'est pas la bonne fusion. Je m'ai trompé d'input. Heureusement que j'ai des reflux. Allez, on va faire comme si on n'avait rien vu. Du coup, il faut que je lui cours après pour qu'il me lâche ses trucs. Il m'en faut 450. Comment je peux faire 450? Attends, c'est 450 ou 150? C'est 450 points, mais comment je peux faire ça? J'étais pas dégueu, j'ai fait 150. Attends, c'est le bolet numéro 3, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qu'ils me disent sur les Solus? Bolet numéro 3. Alors, stratégie, deux compétences sont vitales pour ce mini-jeu. Attraction, compétence que Sora peut équiper en plusieurs exemplaires si sa forme souvenance a atteint le niveau requis. Et ajouter encore davantage en équipant la Keyblade Gouvernail et des anneaux d'attraction qui peuvent être synthétisés au besoin. Ok. Sprint, qu'il vaut mieux posséder au niveau maximal, nécessaire pour suivre le bolet quand il fait une pointe de vitesse. Activer la forme Sagesse permet également d'augmenter encore la vitesse de déplacement et le niveau de sprint et peut donc s'avérer utile. Donc en fait, il me manque surtout la compétence attraction, quoi. Ouais, c'est encore pas pour tout de suite, hein. Bon, écoutez, les amis, je fais une toute petite pause pipi. J'arrive et on va laisser les bolets pour ce soir. Je pense que j'ai pas le niveau, quel que soit le bolet, en fait. J'arrive. Allô? Heureux? Il est où? Il fait pipi, le monsieur. Car il est humain, avant tout. Très bien. L'autre mission, c'est examine la silhouette spectrale ici, et c'est Marluxia, donc... On va quitter le château de la bête, hein, je pense, tout bêtement. Parce que j'ai pas le niveau, pour le moment, de m'occuper de cet endroit. Faut que je m'occupe vraiment de monter le niveau de mes fusions, quoi.
t'es arrivé en pleine pause pipi, mon pauvre Billy. Ah, ils craignent pas la magie, super. Moi, je me casse. Hein. On va aller dans un autre monde. J'ai un peu l'impression que je suis très très éloigné du niveau qu'il faut pour le endgame. Il y a un truc qu'on peut faire aussi, c'est d'aller à la forteresse oubliée dans la caverne du souvenir là. On peut essayer de faire ça. Déjà parce que ça va me faire monter des niveaux, et puis parce que c'est censé être le endgame. Donc il est censé se passer des choses là-dedans. On peut essayer. Déjà parce qu'il y a moyen de gagner de l'XP. Je crois d'ailleurs qu'il y a un coffre que maintenant que je peux planer, je peux récupérer. Genre là-haut. Voilà. Petit bonus PC, ça fait toujours plaisir. On va aller en direction de cette porte. Parce que c'est là où on s'est arrêté dans notre quête de la caverne du souvenir, parce qu'il y avait cet endroit-là. Et cet endroit-là, je ne pouvais pas y aller sans voler, en fait. C'est ça que je vous ai pas dit à l'époque, c'est qu'il y a une compétence vol. Et c'est elle qui me permet de passer de l'autre côté, maintenant que je l'ai. Bon, après, faut que j'y arrive, hein. C'est encore un autre délire, mais... D'accord. Super. C'est pas évident, hein. Comment je suis censé faire ça? Sérieusement? D'accord. C'était un sprint en fait. C'est bon à savoir. Sprint into vol, ça marche. Oula. Je déteste ces sans-cœur. Ah. D'accord, c'était un event spécial. Non, je vais pas retourner dans les tréfonds, je vais avancer. Caverne du souvenir, mine. Y'a des méchants ?
La route est bloquée, il faut chercher un autre chemin. J'ai trouvé un autre chemin. Quoique. Il y avait un autre chemin juste avant. Écoute, on va aller voir. Ok, j'ai ouvert un passage par ici. Je serai plus obligé de refaire toute la route, c'est cool. J'aime de souvenirs, très bien. J'aime de sérénité. C'est des trucs qui sont très cool pour crafter ça. Ouvre les valves en les frappant avec de puissantes attaques. Ça a marché. Il fallait que les trois soient actifs en même temps. Ok, donc j'ai le niveau pour faire ça. Ok, cool. Cool, cool. Merde. Non, reviens. Ouais. Bonus PC. Cristal de sérénité. Un plan des lieux, cool. Illusion manifeste, très bien. Beaucoup de choses à collecter, hein. Non, ça rame, vas-y, c'est pas juste. Pénible. Ah, ok. C'est la même pièce du coup. Je peux pas remonter d'ici. Je vais utiliser les bonus PC tant que j'y pense. J'ai récupéré des trucs nouveaux. Les gemmes de tranquillité. Bolet palatial, bouclier doté d'une grande force physique réduit tous les dégâts subis de 10%. Ouais, d'accord. Je pense que je m'en fiche un peu. Waouh, ça me gave. Que ça rame comme ça. Vous les voyez les moments où j'ai des gros drops?
Ok. La porte est là. J'ai pas encore tous les plans, il me manque un plan. C'est marrant. Il me manque un plan. Il me manque encore des pièces de puzzle. Et pas mal de trésors. Bonus attaque, c'est cool. Comment je peux passer là-dessous? Peut-être en sprintant, puis en faisant un double saut. Il y a peut-être un truc à creuser. Comment je peux remonter par-dessus après? Ça me paraît complexe. Je dois avoir la compétence pour y aller, mais... C'est un ballon jaune, donc j'imagine que ça sous-entend la forme maîtrise. Et maîtrise, c'est double saut. Après, je peux essayer de passer par le côté, peut-être. Non. Attends, peut-être que... Il y a un truc que je me demande. Est-ce que je peux sauter, planer et double saut? Ouais, je peux. Ah, il y a peut-être un truc. J'ai peut-être un truc. Faut juste que je double saute plus tôt, éventuellement. Voilà! Parfait! D'avoir les bonnes compétences. Hey, t'es méchant, arrête. C'est des nouveaux sans cœur. Hein. Ils sont plus forts que les autres. Et merde, c'est la mauvaise fusion, fait chier. Ça faisait longtemps, tiens. Celle que je peux pas annuler, celle qui va causer ma mort. Si je me démerde pas bien. C'est bon, j'ai réussi. Ouh! Machinerie.
Je ne sais pas du tout où je vais, hein. Je connais pas du tout cette zone. C'est la première fois que j'y vais de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est cette machinerie. Est-ce que c'est un truc qui crée des sans-coeurs? C'est les tréfonds de la forteresse oubliée, en tout cas. Donc ça doit avoir un rapport avec Anselme le Sage ou Xehanort ou whatever, mais... Mais alors quoi? Décède, Michel. Si tu veux pas venir, moi j'avance, hein. Cristal de sérénité. Je pense qu'il faut pas que je me fasse cramer par les Toyo. Je le connais pas, lui. Il ressemble aux sans-coeur de Tron qui sont méga chiants, mais en rouge. Donc il doit être plus puissant, j'imagine. Très bien. T'en voilà, toi. Ouais, dégage. Merci. Jusque là, ça va. Je crois. Arrête de m'embêter. Il fait super mal, lui, il est trop chiant. Ok. Cristal de souvenir, cool. Et oui, évidemment, il y a des trucs planqués que j'ai pas vus. Genre des coffres. Y a pas des pièces de puzzle aussi planquées quelque part là? Franchement, ça aurait pu être un plan, hein, de mettre une pièce de puzzle bien difficile à atteindre. Coucou Quantique! Je passe rapidos pour vous saluer et vous souhaiter un très bon live, une bonne soirée et merci Roaki pour le sub. Ah oui, merci Roaki. Et bouge pas Billy, on va faire l'anecdote gaming dans quelques secondes. Quand je me serai débarrassé de ces cons.
Oh là là. Tu vas décéder, oui. Putain, mais pourquoi il est tout le temps sous protection? C'est un truc de ouf. Ça va pas se passer comme ça. Devine qui vient de rentrer du taf à 20h35. Mais OMG, Will. What the fuck? C'est à... Non, c'est demain ta grosse réunion, c'est ça? Comment ça, ils sont deux encore? J'ai un peu la flemme de la préparer ce soir. Bah, tu m'étonnes, ouais, c'est quoi cette réunion? Ok, je vais me poser quelque part et on va faire l'anecdote gaming de Billy. Voilà, on va se poser là vite fait. Hop. Alors, anecdote gaming de Billy. Nous étions à la deuxième génération de consoles, les amis. Les années 1976-1982. L'invasion venue de l'espace. En 1978, Tomohiro Nishikado a 34 ans lorsqu'il commence à programmer son chef-d'œuvre Space Invaders. C'est l'époque de Star Wars en 1977 et de la sonde spatiale Voyager. Nishikado travaille depuis 9 ans sur les jeux électromécaniques de la société Tokyo Taito Corporation. Voici donc un ingénieur de talent travaillant dans la capitale de l'innovation vidéoludique. Quand on lui propose d'étudier les jeux d'arcade électronique, il accepte sans hésiter. Nishikado a une vision d'une horde d'aliens venus de l'espace envahissant la Terre, telle une pluie diluvienne. Déjà embauché dans son jeu mécanique Space Monsters, cette idée est désormais pleinement réalisée sur un écran à 8 bits. Gouverné par le processeur Intel 8080, bénéficiant des effets obtenus par le générateur sonore SN76477 de Texas Instruments, comme les calculatrices, de petits monstres à antenne se déplacent de haut en bas en lâchant des bombes sur les humains afin de lutter contre eux. Le joueur manœuvre un canon qui se déplace latéralement tirant des missiles vers le haut et trouve refuge derrière des bunkers défensifs. Au fur et à mesure que les extraterrestres sont éliminés, le rythme de la descente s'accélère, augmentant la difficulté et la tension. Le tout scandé par une musique de fond toujours plus frénétique. Le joueur est vaincu après avoir été touché à 3 reprises. Voici donc les concepts simples pour un gameplay prenant qui serviront de base aux jeux vidéo à venir. Et nous avons l'image de la première version arcade de Space Invaders en 1978, en noir et blanc, les effets chromatiques étant simulés par des bandes de cellophane orange et verte appliquées sur le verre. Et ça ressemblait à ça. Space Invader. Réu avec la direction. Quel bonheur, et du coup t'as des trucs à préparer pour ça. Merci à Billy pour l'anecdote gaming. Ça devient de plus en plus intéressant, ça donne des exemples. Ouah, j'en peux plus de vous. Je me tire. Oh mais de rien Billy. Ok. Bonus magie, cool. Comme toutes les réus, je suis un élu, donc il faut que je fasse le taf. Ouais, bien sûr. Juste que je me demande ce qui se prépare dans ce genre de cas. Alors, ça, c'est une boule blanche, donc j'imagine que ça évoque la fusion suprême. Donc, il faut voler. Yes. Oh non! Oh non, je suis tombé si bas! Merde! Oh non, il y a tout qui repop. Oh, vas-y, mange tes morts. Non, laisse-moi avancer. SPP. Moi, j'ai rien vu. J'ai pas vu de sang-cœur ici.
J'ai pas le temps. Voler c'est mal, c'est vrai. Mais pas dans Kingdom Hearts. Techniquement, c'est toi qui manges des morts. Ah bon? Alors attendez, je vais garder mon double saut. Je sens que je vais en avoir besoin ici. Yeah. Fuck. Je pense que j'ai pas encore... J'ai probablement pas encore le... Non. J'ai probablement pas encore le niveau de la fusion maîtrise pour voler assez loin. Vu que tu dois tuer des randoms que tu as déjà tués, c'est vrai. Du coup, ça colle, ouais. Tout le volet légal, faut respecter les droits des salariés, faut remonter des trucs, volet sécurité, formation, etc. J'ai littéralement 6 ou 7 casquettes maintenant, putain. Il te faut des têtes supplémentaires à ce moment-là. T'as trop de têtes. T'as besoin de trop de têtes. Oui, ils vont têtes. Je pense que je peux pas y aller pour l'instant. I don't have the level. Ça tient chaud l'été, ça évite les insolations. J'avoue. Ah bah avec les argumentations qui vont avec, j'espère, ouais. Un par jour, pas mal pour varier les plaisirs à la mode, de la mode. C'est vrai, beaucoup de casquettes tout ça. Tout ça avec 21 heures de délégation. C'est pas beaucoup. Ouais, j'ai pas le niveau, clairement. Clairement, j'ai pas le niveau. Du coup, le chemin s'arrête ici. Pour le moment. On reviendra. I'll be back. Merde. Par où on s'en va? Ah, c'est là. En tout cas, on peut dire que ça chapote. MDR! Bon, du coup, ça veut dire que... J'ai eu des objets intéressants. Notamment... Un bonus attaque pour devenir plus fort, un bonus magie pour faire plus de la magie, un bonus PC pour avoir plus de compétences. J'ai découvert le cristal de souvenir, ce qui est cool. Et probablement que je peux avancer dans mes puzzles. J'ai découvert de nouveaux sans-cœur aussi. Avancer dans le puzzle crépuscule. On a le bon torse d'Axel là. Putain. J'en peux plus de ce lag. Ça me fatigue. Ça a jamais été aussi violent. Oh, c'est Riku! C'est cette image-là que je voulais pas vous spoiler avant d'avoir vu le vrai visage de Riku. Voilà. C'est pas mal, ça avance. Hein. Bientôt mon avatar dans EA Teen Time. J'avoue. Ils sont quand même pas mal sexy, les messieurs habillés en noir. Ils peuvent me voler mon cœur quand ils veulent. Spoiler alert, j'ai pas de cœur. Tu es donc un simili, Mixi. Toi aussi. Ok. Mission. J'ai eu une mission. J'ai eu quoi comme mission? Ah, mais le bolet d'Illusiopolis. Super. Il y a pas mal de mini-jeux que j'ai pas encore vus. On a vu des nouveaux sans-cœur, du coup. Comme le bolet numéro 1 d'Illusiopolis.
On a vu le champion. Ce volatile belliqueux s'acharne sans relâche sur sa proie. Il utilise trois types de coups de poing, mais une bonne observation permet de les discerner et de réagir en conséquence. On a vu également le piquier. La mésentente entre ce soldat et son arme les rend vulnérables, mais méfie-toi de leur puissance, de leur puissante attaque qui peut t'éjecter. Essaye d'attraper la lance pour frapper tous les ennemis alentour. Le survolté, qui est trop chiant, se sent cœur sans cesse en mouvement, alterne entre des attaques rotatives et de puissantes décharges électriques. Les sorts de type poudre n'ont aucun effet sur lui. Ça m'aide de ouf. Le marteau piqueur, il se bat en faisant des sauts et des pirouettes. Fais attention aux ondes de choc qu'il provoque en frappant le sol. Profite du moment où il est vulnérable juste avant qu'il attaque. Ok. Et l'archimage, ce mage de haut rang maîtrise trois sorts très puissants. Son grimoire lui sert de bouclier, alors si tu l'attaques avec la Keyblade, frappe-le dans le dos. Attends, il y en a d'autres. Fantôme vice-versa. Ce fantôme aux deux visages est insensible aux attaques de la Keyblade quand il est en l'air. Renvoie-lui des sorts pour le faire redescendre et attaque-le une fois qu'il est au sol. On a également le viking volant. Il se joue de ses adversaires par sa grande rapidité et essaie de l'immobiliser à l'aide de la magie. Tu peux aussi contre-attaquer grâce aux commandes réaction quand il t'assaille de coups de pied répétés. Et le métal turquoise. Il se déplace peu mais s'efforce d'attirer ses adversaires par tous les moyens. Il résiste à la magie alors il vaut mieux l'attaquer sans répit avec la Keyblade avant qu'il ne se déchaîne. C'est les 100 coeurs de fin de jeu. Hein. Je peux le mettre sur un CV, je pense, Mixi. Hein. En plus, demain j'ai un entretien. Bonjour Mixi Moto Simili et vous. Let's go en vrai. Let's go. Hein. Bon, et ben il faut que j'entraîne ma fusion maîtrise avant toute chose. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Il me semble qu'il y a beaucoup de choses à la forteresse oubliée comme truc à faire. Hein. Merde. Bon, déjà, il y a les trésors. Mais je peux pas les choper parce qu'ils sont tous dans la caverne, genre au fond. Il y en a peut-être un que j'ai loupé, éventuellement. Les pièces de puzzle, c'est pareil, à mon avis, ils sont au fond de la caverne. Il me manque un plan. Il doit être dans la caverne aussi, vu que c'est un coffre. Mission. Il faut que je re-rencontre Sephiroth, mais j'ai pas encore le niveau. Il faut que je relève le défi de Skate, par contre. Ça, je peux le faire. Et il y a un défi que je connais pas encore. Après, pénètre dans la caverne du souvenir, va au fond de la caverne du souvenir. Et après, il y a plein de trucs dans la caverne du souvenir. Regardez tout ça, là. Mais je peux pas encore le faire, parce que il faut que j'améliore ma fusion. Je vais tenter, on va voir si la personne aura la ref. En plus, si tu dis Miximoto avec un X au milieu, ça peut le faire, hein, s'il a la ref. Il faut que je trouve où se déroule le skate. Et le défi en point d'interrogation qu'il y a juste avec. Mais ça doit avoir un rapport avec le skateboard, je pense. Et ça doit être en ville, à mon humble avis. Oh, c'est pas juste. Pourquoi cette fusion-là, tout le temps, quand je veux pas? Me crée que des emmerdes, cette fusion. Je voulais améliorer ma fusion sagesse. Il me reste un niveau à choper dessus, je crois. Je gagne pas beaucoup d'XP dans ce niveau par contre. Hein. Le seul souci de cette idée, c'est que... Attention, accrochez-vous bien, ça peut choquer. Mon prénom n'est pas réellement Miximoto. Comment? Je n'ose le croire. Je n'ose le croire, Mixi. C'est faux, tu mens. Ce reveal. Moi aussi, ça m'a fait un choc quand je l'ai appris. Fichtre. Comment? C'est pas ton prénom? Choqué, Miximoto. Mais oui, choqué déçu.
Bon, plus choqué que déçu, mais... Je crois qu'il y a un mob en centre-ville. Un mog, pardon, en centre-ville. Pour voir ce qu'on peut crafter avec tout ce que j'ai récupéré cette dernière heure là. Qui entre, je ne prénomme donc pas réellement comme ça. J'ai toujours pensé que... Oh non. J'espère que ton petit cœur n'a pas été trop secoué par cette révélation. Ouais, j'avoue, un petit trigger warning avant d'annoncer des choses pareilles, ça peut être intéressant. J'ai dû aller prendre l'air tellement ça m'a mis mal une telle annonce, la prochaine fois préviens. Ouais, ouais, trigger warning. Bonjour, Mog. Mogelu. Blou, blou, blou. Mes cœurs ont vécu pire, donc ils te soquaient. Heureusement que t'es solide, 21. Collection complétée, gemme de sérénité. Collection complétée, cristal de sérénité. Collection complétée, bonus, cristal de sérénité également. Pierre de sérénité. Illusion manifeste. Collection complétée, pierre noire en vente dans les boutiques. Putain, j'ai récupéré beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu comme truc complété, du coup? Oula. Obtenir tous les ingrédients mat, les ingrédients nébuleux, les ingrédients souvenirs, les ingrédients B et les ingrédients A. A! Et des pierres noires. Très bien. Ça veut dire, j'imagine, qu'on peut crafter plein de trucs. Ah, le ruban rouge, comme l'armée. Résistance aux éléments de 10%, c'est pas ouf. Grimoire sombre. Accroît énormément la magie et les PC max. Cool. Conception libre, je peux rien faire de ouf. Catalogue. Alors si je prends un bonus attaque, et c'est les cristaux de sérénité qui permettent d'augmenter le rang de l'objet. Ça ne sert à rien. Il faut que je le fasse avec d'autres trucs. Genre bracelet X. Là c'est un éclat de sérénité. Ça fait un bracelet XX. Prédit la moitié, de moitié les trucs nécessaires. Ça vaut pas le coup. On sent l'expérience de la vie. Tupao, ouais, de ouf. Vécu trop de choses, tellement que je me souviens pas de tout. Mais tu as eu combien de vies, Vente, aussi? Voilà, avec ça, ça me permet de générer des nouvelles recettes à chaque fois. Les éclats de sérénité. Quoi? Ingrédients insuffisants, coche, fougue. Ah merde. Poignée de force. Poignée de puissance. Faut que je monte le niveau de mon mog. Ok, je peux pas l'améliorer plus. Escarboucle. Diamant. Oh. Augmente le niveau du mog. Ouais. Chevalier en mithril, est-ce que je peux l'améliorer? Chevalier Orichalk. Ok. Boucle de soldat. Boucle fine lame. Pas mal tout ça. Boucle de mage. On obtient boucle de pourfendeur. Anneau étoilé. Anneau royal. Augmente les PC Mac de 7 points, putain c'est énorme. Hein.
J'en suis à ma quatrième et les trois autres sont dans mon pseudo en fait. Oh, c'est beau. C'était donc toi depuis le début, Vente. Amulette lunaire. On peut la transformer en amulette stellaire. Anneau d'attraction, je peux pas le crafter. Grimoire sombre non plus. Pas mal déjà. Et si je craft un bonus défense avec ça, on monte le niveau du mog. Désolé, je n'ai trouvé aucun groupe ou appareil nommé meuble. Mais je t'ai rien demandé, Alexa, tu vas te calmer tout de suite. Je parlais de meubles. Est-ce que j'ai parlé de meubles, moi? Je crois pas. Je peux même créer un bonus attaque à la place. Elle m'a parlé! Allô? Le mog a gagné un niveau, il peut créer des objets originaux à partir de la conception libre. Ça, c'est chouette. Ah oui, la gemme de Mithril. Cool. Cristal de sérénité, j'ai pas ce qu'il faut. Eh ben écoutez, on a progressé un peu. Qu'est-ce qui me manque ici? C'est surtout des orichalques hein, qui me manquent. Et des pierres mates aussi, du coup. Il va falloir casser la gueule de pas mal de simili, je pense. Alexa a le droit à la liberté d'expression. Ouais, mais à des moments, elle croit qu'on lui parle, alors que pas du tout. Moi, je veux pas la contrarier, mais bon. Qui c'est qui me propose de faire du skate dans ce pays? Quand même pas Cloud. Sephiroth, je sais que tu es quelque part. Je sais où il est. Tu as bien grandi en à peine un an. Mais pas seulement physiquement, ton esprit aussi est devenu plus fort. Merci. Picsou ? Je manque toujours d'avis de pratiquant pour mon skateboard. Peux-tu m'aider ? Oui. T'as dit avec ça ? Elle a cru que tu lui parlais. D'ailleurs, moi aussi, j'ai cru que tu me parlais. Avec Axia. Imagine un jour, Alexa s'allume et parle en pleine nuit. Je pense que je flippe. En passe-mito, je pense que je flippe. Alors, Skate Festival, réalise des figures et des combos. Sélectionne terminé dans le menu pause pour arrêter. Mais il faut que je fasse quoi exactement? Ouais. J'aimerais bien l'objectif maintenant. Marque plus de 200 points. Bah ça a été fait. C'est réalisé. Les défis de skate, c'est vraiment éclaté au sol hein, par contre. Du coup, jardin radieux, il faudrait que je rencontre Sephiroth et que je fasse la caverne du souvenir. Donc j'ai pas le niveau pour le moment. Est-ce que j'ai le niveau pour... La forêt des rêves bleus, c'est fait à 100%. À part l'organigramme, mais l'organigramme c'est autre chose. Est-ce que Tron? On va aller voir Tron, je pense, parce que j'ai des pièces de puzzle à récupérer, j'en ai deux. Deux pièces de puzzle, il y a des missions. Retenter ma chance au Light Cycle, notamment, et j'imagine faire un certain nombre de points. On va aller chez Tron. On va essayer de compléter Tron tant qu'on est ici. Il y a des clips rigodrôles à ce sujet. Arnaud doit encore s'en souvenir vu les révélations d'Alexa. Ah oui! Il y a des kilomètres de clips, hein!
Notamment quand on était sur Luigi's Mansion, donc c'est censé être un jeu un peu flippant. Elle parlait régulièrement. J'ai envie de me débarrasser de cette fusion le plus vite possible. Parce que c'est vraiment pas ma préférée. Je l'aime beaucoup en termes de couleur, mais en termes d'action possible... Après, c'est une des plus, entre guillemets, faciles à EP, parce qu'il faut juste tuer des sans-cœurs avec. Mais bon. Il faut en tuer beaucoup, quoi. Et ça va pas très vite. Ce que je voulais faire, j'ai pareil avec le cousin d'Alexa, à savoir Siri, et pour l'anecdote, c'est arrivé chez un pote à moi en pleine nuit, Alexa qui s'est allumé, c'était original. Ah ! Alexa, tu vas pas t'allumer en pleine nuit, hein ? Le sens de la vie, 1983, en réponse à l'apparition de la mort de Jimmy. Est-ce que cela répond à votre question ? Pas du tout. Merci pour vos commentaires. Ça n'avait rien à voir, elle comprend rien de ce que je lui dis. J'ai pas du tout parlé de ça. J'ai pas parlé du sens de la vie. Moi je pense qu'elle a esquivé la question pour pas m'avouer ses réelles intentions. Alexa, est-ce que Jeff Bezos peut m'entendre ? Désolé, je ne sais pas. Elle est même pas sûre quoi. C'est rassurant, hein. C'est rassurant de ouf, hein. Ouais. C'est pas un non ferme et définitif, hein. C'est typiquement ce qu'aurait dit une espionne, on est d'accord, hein. La question, c'est qu'est-ce que Jeff Bezos en a à faire de ce que je dis chez moi. Lui-même, personnellement, je veux dire. Après, ce que Amazon en fait, oui, ça je comprends, mais... Ça fait peur. On nous cache des choses, on nous dit pas tout. Nous sachons. Nous sachons. Après, tu le sais peut-être pas, mais t'es peut-être le descendant d'une dynastie en voie de disparition qui pourrait renverser le pouvoir économique actuel. Franchement, ça m'étonnerait pas. Vu que ma vie est un shonen, ça m'étonnerait pas. Arnaud, ça me fait penser, il y a moyen que toi tu saches la boîte de Bezos qui fait du spatial. Tu sais comment elle s'appelle ? Non, moi je connais SpaceX, mais c'est celle de Elon Musk. Et sinon, je sais pas. Après, il y a Google, hein, Aka, tu sais. Non, je sais pas, j'avoue. J'ai dû le savoir à un moment donné, mais ça m'est pas resté. Je me souviens pas s'il y a une pièce de puzzle en bas. Je crois pas. Je crois que j'ai tout eu déjà. Mais il y a Tifa ici. Il n'est pas là non plus, mais je sens que je me rapproche. J'ai dû le manquer de peu, mais je le retrouverai bientôt. Je crois qu'elle parle de Cloud, mais Cloud, il est en plein centre-ville, ma grande.
Blue Origin? Ouais, non, j'ai jamais entendu ça. Hein. On va aller à la cybercellule. Alors, Light Cycle. À mon avis, il faut que je fasse un score en particulier. Ouais, j'ai bien compris, Vente, mais ça me dit rien. Merde, comment on y va? Comment je fais déjà? Ah, c'est avec les gâchettes, pardon. Désolé, je suis bourré. C'est pas le mini-jeu le plus fun, hein. On dirait pas comme ça, mais... Merde. Surtout que je peux prendre des risques maintenant que j'ai beaucoup plus de vie qu'à l'époque. À l'époque, j'aurais pas survécu à tous ces chocs, là. J'ai eu 300 cœurs, c'est pas mal. Merci Billy pour l'étirement. Waouh. En gros, j'ai bloqué sur ça pendant ma compo de culture. Genre, j'ai voulu parler du tourisme spatial. J'ai mis genre 15 minutes à me rappeler du nom de Bezos. Le stress, c'est fatal. Et j'arrivais plus à me souvenir du nom de sa boîte. Attends, c'est quand même ton patron, hein, Kara. Par contre, le truc vraiment flippant qui m'est arrivé, j'étais avec un flirt, qui plus tard deviendra mon copain, ça a son importance. On regardait la série Marianne, je connais pas. Enfin, on finit de regarder, et là, 3h du mat, ça sonne chez moi, une fois, deux fois, trois fois, je décide de me lever pour montrer qui est le patron. J'ouvre la fenêtre, un gars me dit « Chef, t'as pas une bouteille d'eau ?» Spoiler, j'en avais pas. What the fuck? J'avoue, c'est flippant. Jean-Michel qui sonne trois fois en pleine nuit. J'allais chercher sur Google, je me suis dit que tu le savais peut-être vu que je sais que tu t'intéresses au spatial. Non mais c'est vrai. Non mais j'aurais pu hacker en vrai. Hein. C'est juste, c'était pas en mode Google est ton ami, c'était vraiment je ne sais pas, Google sera meilleur que moi. T'as une bonne assurance, t'es assuré tout risque, bah je pense. Hein. Sinon je serais pas là. Hein. Tu veux te battre Arnaud? D'accord. Marianne, c'est une série d'horreur, mais je connais pas. Ça me dit rien. Qu'est-ce que j'ai eu de nouveau, là? Ah oui, c'est tous les stuff que j'ai crafté tout à l'heure, pardon. Logique. Compétence ou ça? Finish plus. Déclenche plusieurs coups critiques à la fin des combos. Faudra pas que j'oublie de le mettre quand j'aurai assez de puntos pour ça. Et je vais mettre mon bonus attaque d'ailleurs au passage. J'adore le d'accord. Allô Billy, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mon patron Bezos, c'est l'ennemi number one. Ah ouais, mais tu streams sur Twitch. Ah, j'ai réussi apparemment. Marque 30 points. Pile poil. Nickel. Pas besoin de le refaire. Quel bonheur. Oh, par contre, ça commence vraiment à me casser le cul.
cette histoire de, d'input là. Je vais sauvegarder parce que ça me fait flipper. Mais à deux doigts de redémarrer le jeu. Hein. C'est trop pénible. Du coup... Ouais, du coup, faut juste que je récupère les deux pièces de puzzle qui me manquent. Et ce monde sera fini. Je t'imite dans le chat. Allô ? T'as bien raison. Elles sont là pour ça, ces émotes. Mixit, la balance. Je vais tout dire. Je vais tout dire à Monsieur Bezos. Que t'as dit que c'était l'ennemi alors que t'es sur Twitch et tout, il va venir chez toi, il va couper ton internet mondial et tu pourras plus streamer sur Twitch parce que c'est Twitch, c'est à lui, tu vois. Alors t'es obligé de dire que qu'il est gentil. Oui. Moins un mécène. Ok. Non, je peux l'avoir. Je peux le faire. Je pensais que tu parlais du vrai taf. Ah bah non, 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 non. De la Twitcherie, mon cher Akalis. Non, mais... La 2D m'a eu. Je suis sûr que je peux le faire. Je peux l'avoir. Voilà, let's go. Désolé Jeff Bezos, je te ferai un petit bézo et on oublie ça. Un béco. Et hop, le torse de Xigbar. Allez, plus qu'une. Oula, ça va, Tron ? Oh là là, mais c'est lag. Je suis désolé, je me plains beaucoup des lags, mais c'est vraiment très très pénible. Je sais pas si vous vous rendez compte, à chaque fois que l'écran freeze un tout petit peu, et c'est souvent, le jeu emmagasine 2 ou 3 inputs qu'il ressort après quand j'ai plus, quand j'essaye de faire autre chose avec la manette. Je sais que je l'ai déjà expliqué, mais... Mais c'est un peu pénible. Elle est pas là. Le jeu est peut-être pas super opti. C'est pas un problème de jeu. C'est qu'en fait, le pack que j'ai acheté sur Switch, c'est une version cloud. C'est-à-dire que je n'ai pas, le jeu n'est pas téléchargé sur ma console. Il est complètement en ligne. Donc il y a des ralentissements. Plus les serveurs de Nintendo sont connus pour être de la grosse de mer. Et ça se vérifie en fait juste avec ça quoi. C'est à chier. T'as un monteur vidéo? Non, je fais tout moi-même. Les VOD, les TikTok, je fais tout moi-même. M'en dis pas plus, quand j'ai entendu Cloud, j'ai fait une petite prière. Bah voilà, exactement. T'as tout compris, Mixi. Et non, Billy, je suis un trop petit streamer pour pouvoir me payer un monteur ou une monteuse vidéo, hélas. Mais c'est pas comme si je faisais des grands montages aussi. Hein. Le montage de mes VOD, il est très très simple, par exemple. Les TikTok, c'est assez rapide aussi. C'est pour ça que j'ai pas de best-of, notamment.
Parce que j'ai pas le temps. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps de monter les best-of. Mon appel à Nintendo France n'a rien changé. Je suis désolé, Vente. Ça a pas changé grand chose, hélas. Je croyais moi aussi, mais. Même s'il fait une pub de 3 secondes, c'est-à-dire. Genre s'il fait sa pub dans la vidéo mais qu'il se fait pas payer. Je pense que c'est pas vraiment rentable vu le nombre de vues que j'ai. En fait, le problème il est là, c'est que je suis pas assez vu pour que ce soit rentable pour lui. Allô Tojido, bonjour! Comment ça va? Bah c'est fini, regardez. Space Paranoid est terminé. C'est la pièce du bas. Elle est bien placée, mais elle est juste pas bien tournée. Voilà. En vrai, vu le temps passé sur un montage de vidéo, si c'est pour être vu par 20 personnes à tout péter, c'est pas rentable. Du tout, pour personne. Et puis je fais surtout ça pour que mes VOD soient pas perdus et que les gens puissent les regarder de temps à autre s'ils ont envie de se rappeler des souvenirs. Mais certainement pas pour devenir youtubeur, tu vois. Déjà j'ai 20 abonnés, ça me fait plaisir, alors. Le jour où je passe les 100, on fera une grosse stuff. Bon. Petit rappel qu'on paye pas son boulanger en visibilité. En plus de ça, oui, c'est sûr. Le faire soi-même, si c'est son choix, ok, mais c'est pas quelque chose de souhaitable à quelqu'un, non. Si c'est quelqu'un qui te propose un service, ok, mais en général, quand tu prends un artiste, un graphiste, un monteur vidéo ou whatever, tu dois le rémunérer, en fait, c'est un travail. C'est pas juste être payé en visibilité, c'est vraiment un truc d'il y a 10 piges qui était déjà horrible. Hein. C'est gentil, Billy, de t'être abonné à la chaîne YouTube, merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut aller au Colisée de l'Olympe parce qu'il y a des missions à faire. Marquer 5000 points à la Coupe Titan. Et il y a d'autres coupes, je pense. J'ai pas envie d'y aller tout de suite au Colisée de l'Olympe. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à la rivière intemporelle? Genre des missions. Ouais, c'est aussi un bolet. Château Disney, on a vu que c'était l'entrée secrète, donc c'est un gigaboss. Atlantica, c'est terminé. La Terre des Lions, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Ça, c'est pas fini, mais j'ai pas le niveau. Port Royal, il reste des pièces de puzzle, par exemple. Et des missions. Ah oui, il y a l'Arxène à battre. À Port Royal. On va essayer Port Royal. L'Arxène, je pense que j'ai peut-être le niveau pour la battre. Peut-être. Et oui, comment il va le Tojidax ? Tojido le BG, là. Encore ! Bah, c'est une fusion gâchée, ça. Comment je peux la choper, celle-là? Faut que je parte de plus haut, déjà. Y a moyen. Un peu boulot ce soir, mais on fait avec. Ça va, tu t'en sors? Je sais pas si je peux. Combien il m'en manque des pièces de puzzle d'ailleurs dans ce monde? Est-ce que c'est la seule?
Non, il m'en manque une autre. Je pense que je peux l'avoir. Sans être obligé de fusionner. Peut-être compliqué. Ça bosse dur, dernier jour pour rendre mon dossier final BTS, alors je rush. Ah, c'est le dernier jour, Aka ? Putain, courage. Je peux pas monter là-dessus. Non, c'est le seul endroit où je peux prendre de la hauteur. Hein. Alors, sachant que je ne peux pas sauter plus haut, je pourrais juste voler plus vite, mais plus tard. Je peux sauter plus haut si j'étais fusionné, mais... Oh, tu sais quoi? On va tenter le coup. Ah ben non. Eh ben non. Eh ben non, ça peut pas marcher. En fait, j'allais fusionner pour avoir un double saut niveau 3 avec vaillance. Avec maîtrise. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que j'aurais en fusion, je n'ai ni le double saut ni le vol. Alors que j'ai besoin du vol. Officieusement, on pourra encore faire des petites corrections. Ouais, mais bon. J'ai peut-être une idée. Non, ça marche pas, ça. Bon. C'est terrible, toutes ces pièces de puzzle que je peux pas encore récupérer. Ah, celle-là, je peux quand même. Alors, celle-là, elle était frustrante la dernière fois. Parce qu'il y a une putain de corde au milieu, là. Qui m'empêche d'y aller. Mais, comment je peux faire? Non mais c'est une blague. Peut-être un truc là. Oh, c'est tellement frustrant, OMG! Vous la voyez cette corde de merde là qui m'empêche de passer? Ça me rend ouf. Là, c'est même pas une histoire de planer assez loin ou quoi. Hein. Je sais pas comment je peux l'avoir autrement, celle-là. Brûle la corde, bah j'aimerais bien, putain. Bon. Peut-être pendant un combat. Nope. Ça va, c'est des trucs cool ce soir. Et puis là, c'est la pause bouffe. Et bah bon app, Tojido. Ok. L'arc Senru. Bon, tu peux rire. Hein.
Elle va peut-être me défoncer. Elle a pas beaucoup de vie par rapport à des Marluxia ou ce genre de choses, donc... Je sais que la dernière fois qu'on l'a affrontée, on était pas loin de la battre, et c'était il y a longtemps. Donc il y a peut-être moyen. Surtout si je lui colle une unification. Elle est un peu démunie pendant un certain temps. Putain, mais Donald, t'es vraiment con, il lui fait des sorts de foudre, cet imbécile. Il fait toujours les mêmes bruits, ça me fume. Merci. Allez. Ok. Je te tiens. Je te tiens pas. Je te tiens pas du tout. Elle me démonte. Il suffit que je la chope dans un combo et c'est bon. Ah, c'est bon. Je la tiens. Bim. Let's go, Larxen, ça dégage. Et de une, on a au moins poncé un boss. Le Ohio de Dingo m'extermine, il me tue aussi. Le coin-coin de Donald également. Ouh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a débloqué une nouvelle formule donc. Ça, c'est fait. C'est quoi qui est nouveau? Illusion perdue. Mmh. Il y a un nouveau truc dans l'organigramme. Ah oui, c'est comme ça qu'on complète l'organigramme du coup. Le numéro 12 de l'organisation a péri lors de la précédente aventure de Sora. Allié de Marluxia, Larxen a comploté avec lui pour prendre le contrôle de la confrérie, mais ses manigances et sa cruauté ont fini par provoquer sa destruction. Du coup, dans le tas, il nous manque Lexus, Marluxia. C'est tout, non? Non, non, il en manque un autre. Lexus... Marluxia. Merde, je les ai oubliés. Bah non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si, c'est ça, Lexus et Marluxia, c'est tout. Pardon, je suis alcoolisé. Et Lexus, il est à Agrabah, je crois. Vu que j'ai visiblement pas la possibilité de récupérer les pièces de puzzle ici, on va aller à Agrabah. Essayer de se taper Lexus.
Et on a le Mog ici. Du coup, je lui ai fourni une nouvelle formule qui me permet de faire talisman isolant. Et je peux le crafter d'ailleurs. Avec un petit cristal de vitalité pour booster l'XP. Augmente la résistance à la foudre de 40% et accroît considérablement la défense. Cool. Rien en conception libre. Est-ce que je vois quelque chose d'intéressant dans le catalogue? Rien d'intéressant. Ah non, ici c'était Vexen, pardon. Bêtise. My bad. Lexus, il est où? Lexus, il est pas à la... Il est peut-être à la ville d'Halloween. Non, c'est pas ça. Où sont les silhouettes spectrales, là? Cité du Crépuscule? Ah oui, Cité du Crépuscule, carrément. Je me souviens. On va tenter. Cité du Crêpe, c'est ici le plus près. D'ailleurs, je crois que j'ai pas mal de choses à faire à la Cité du Crépuscule. Tant qu'on est là. Regardez, il est là, ce con. Salopio de Lexus.